Bonsoir, bonsoir à tous. On va simplement célébrer le Seigneur ensemble. On est là pour l'adorer et le remercier comme c'était marqué sur les écrans. Alléluia.
c'est une grâce que tu nous as fait de venir sur la terre, porter le fardeau qui était le nôtre. Seigneur, nous ouvrir la voie vers le ciel, nous accorder cette grâce, nous accorder ta bonté. Et tu nous as promis d'être avec nous tous les jours, d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Seigneur, je ne mérite pas cette bonté, je ne mérite pas cet amour, mais je veux ce soir simplement avec mes frères et sœurs venir te célébrer, venir te dire merci, venir te rendre gloire pour qui tu es, pour ce que tu fais. Merci Seigneur Jésus pour ta bonté. Je t'aime Seigneur, oh ta grâce m'a toujours porté, chaque jour tes mains m'ont protégé. Thank you.
Yeshua.
l'adorer dans des langues nouvelles. Continuez donc tranquillement, doucement à l'adorer. Il est présent. Oh, le Saint-Esprit veut baptiser ce soir. Plusieurs ce soir sont baptisés du Saint-Esprit. Soyez remplis de sa présence ce soir. Louez-le, louez-le, adorez-le, continuez à l'adorer. Oh, la main, la maya. Sa guérison pour plusieurs ce soir, pour plusieurs ce soir. Il y a également un homme qui est là, tu es venu avec des migraines constantes, de constantes migraines. Et tu as du mal à passer plus d'une semaine sans faire de migraines. Et Dieu ce soir te libère, tu sortiras guéri de ce lieu. Plus aucune migraine ne t'atteindra parce que Yeshua Jésus est présent dans ce lieu. Et il te guérit ce soir. Il y a également une personne qui est là, tu as un problème au niveau de tes poumons, on a détecté des taches et tu t'inquiètes, tu dois faire des examens, scanners, IRM, mais ce soir il est là, Yeshua est là, Jésus est présent dans ce lieu et il te libère, il te guérit de ces taches. Reçois sa guérison ce soir, va faire les examens. Et tu verras que les examens vont détecter que parce que Dieu est présent pour toi ce soir, il te guérit. Il te guérit. Il n'y aura plus aucune tâche, aucune tâche. Il y a également une personne qui est venue dans ce lieu. Tu es addict à l'alcool. Tu es là pour l'une des premières fois. Tu es venu de temps en temps, mais souvent tu quittais ce moment avant qu'il ne se termine et tu es revenu ce soir. Et tu dis, Seigneur, mais si vraiment tu es là, si vraiment tu existes, est-ce que tu peux me libérer de cette addiction? Tu as tout essayé, tu as fait des cures, tu as essayé de t'en sortir par toi-même et tu n'y es pas arrivé. Dieu te dit, je t'aime mon fils, je t'aime. Et dans la mesure où tu me confies ta vie ce soir, eh bien tu verras alors combien je suis celui venu pour te libérer. Je vais moi-même te libérer. Et là où par tes propres forces tu ne t'en sortais pas, je suis moi parce que je t'aime, celui qui ce soir te libère. Mais donne-moi ton cœur, reste attaché à moi. Et tu verras alors combien moi j'agirai pour toi et je te libère de cette addiction. Il y a aussi une personne qui est dans ce lieu et sur le net aussi. Et vous luttez avec une addiction qui est la drogue. Vous êtes lié à la drogue.
et vous découvrez tout doucement Jésus, vous faites des premiers pas envers Jésus, vous rendez compte qu'il se passe des choses dans ce lieu, vous rendez compte qu'il se passe quelque chose lorsque vous vous approchez de Jésus. Hein. Et le Seigneur vous demande ce soir de poser juste votre main sur votre torse, juste de poser votre main sur votre torse, et que vous puissiez faire une prière en demandant à Jésus de vous libérer ce soir. Jésus veut vous rappeler ce soir, il veut vous dire qu'il est celui qui libère, il est celui qui rend libre les captifs, il est celui qui vient briser des chaînes, il est celui qui vient donner cette liberté en Christ, il est celui qui a la solution pour ta propre vie, et ce soir il veut poser sa main sur toi. Autant c'est ta main qui est posée sur ton torse, autant c'est lui qui vient poser sa main sur ton torse et qui ce soir te libère de cette addiction qui est la drogue, qui tout un temps t'a fait du bien, qui tout un temps t'a emmené à être heureux, entre parenthèses, mais aujourd'hui tu te rends compte que ça te rend malheureux, que ça a détruit ta vie. Le Seigneur te dit que je veux te permettre de racheter le temps, de racheter des années. Et c'est pour cela que ce soir, je vous libère, pour que vous puissiez me servir, me suivre et être des témoins là où vous allez être. Mais restez attachés à moi, restez attachés à moi. Je suis celui qui libère, je suis celui qui rend libre, vous dit le Seigneur qui vous aime. Revêtu de lumière, éclatant de Dieu.